إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نور مثل الله سبحانه وتعالى celui qui va se parvenir, nous allons prendre ensemble concernant tafsir des surahs Al-Balad. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, il commence sa surah là par un qasam, encore une fois, il fait assez il dit « La uqsimu bihadha al-balad ». Ici, ce mot « la » là, veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut mettre l'emphase. Alors là, c'est-à-dire comme si Allah subhanahu wa ta'ala peut attirer l'attention pour montrer qui lui permet un CIE dans le sens que ça CMA là, un CMA trop important, ou que c'est mon bihad al-balad. Mon fait CMA par ça, la ville. Et ici, quand il cause la ville, il cause concernant Makka. Alors Allah subhanahu wa ta'ala peut faire CMA, la ville de Makka, parce que sa place là, dans le monde qui ne peut vivre, c'est sa même meilleure place qui est capable d'exister. Un salat, qu'un djimoun fait dans sa place là, il égale 100 000 namaz dans n'importe quoi de ça. Il y en a d'autres qui, sa place là, depuis sa création même, Allah subhanahu wa ta'ala, puis déclarer haram. Puis déclarer haram, ça veut dire une place côté sacré et qui n'a pas gagné droit à la guerre là-bas. Pas gagné droit, même sur les animaux qui sont là-bas, n'a pas gagné droit à tuer sur les animaux, ni l'assassin sur les animaux, et les pieds qui sont là-bas, alors n'a pas gagné droit. Tia Saban Pira, Ras Saban Pira. Alors tout cela, c'est concernant valer de ça, grand endroit qu'appelle Makka, et puis il y a d'autres qui, Allah subhanahu wa ta'ala, fin, donne sa place, sa grandeur là, à cause qu'il y a Kaaba là-bas. Et Kaaba, c'est sa même direction de tout bon musulman. Un musulman, n'importe qui coin du monde, quand je tenais pour faire salat, alors je viens dans la direction de Kibla. Et Kibla, c'est Kaaba, sa place qui nous connaît et Nada Damakka. Et aussi, sa place là, c'est sa même place, sa l'endroit là, c'est sa même endroit qu'Allah subhanahu wa ta'ala fin descend plus grand livre. Alors, le Coran fin descend dans sa place là, au commencement. Alors, c'est sa place qui, Allah subhanahu wa ta'ala fin choisir pour commencer la révélation. Et sa place là, c'est sa même place qui le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, meilleur créateur, fin prend naissance. Alors, peine à doute que sa place là, c'est une grande place qui appelle Makka, qui est l'endroit qui nous besoin de ni se valer qu'Allah subhanahu wa ta'ala fin donner. Wa anta hillum bihadha al-balad. Et toi, ô Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, li halal l'eau toi. C'est-à-dire, sa place là, comme on nous dit, il y a une place qui est sacrée, pas qu'il y ait droit à la guerre, pas qu'il y ait droit à tuer personne. Mais pour Rasul sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala peut décrire ça halal pour lui. Bihad al-balad. Dans ça l'endroit là. Et ça, ayat là, Allah subhanahu wa ta'ala peut faire référence à un état qui se donne Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, jour tu fais conquête Makka. Alors, jour tu fais conquête Makka, Allah subhanahu wa ta'ala te donne un état pour lui tuer celui qui en vit et lui pardonne celui qui en vit. Mais Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ben a doute qui n'y pas un prophète qui t'y a soif disant comment beaucoup de monde je attribue sa mensonge à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, mais Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il y a une grande occasion, tout ça man du monde, tout ça man mouchrik, qui vient tout le temps faire dominer avec eux, fin qu'aucun autre tristesse. Mais quand Rasul sallallahu alayhi wa sallam, soit un sahaba, fin faire conquête Makka, alors, quand Ben Kouraïj, Ben Mouché Kouraïj finit devant lui, alors il finit libérer Zut, il finit quitter Zut, il finit pardonner Zut. Il y a doute que sa Rasoul, qui appelle Muhammad sallallahu alayhi wa sallam là, il tient
Vraiment, celui qui a beaucoup pitié même, et il fait une pardonne, souvent pire l'ennemi. Et là, certains vont facile de dire, « Wantahillum bihad al-balad, toi, toi, un qui habite dans cet endroit-là. » Je vais traduire, « Il va habiter. » Mais quand nous regardons ce mot-là, nous trouvons qu'il est dans un dictionnaire arabe, il n'est pas indiqué qui est dans sa signification. Al-Hil, c'est pas depuis halal, il n'est pas depuis, c'est un autre mot qui est capable, et non, c'est un autre mot qui est un peu semblable, qui est dans signification habitée, mais ici, Hil, c'est depuis halal. Ça veut dire, Allah subhanahu wa ta'ala, il peut faire sa place là, min halal pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, n'est pas pour tout le temps, mais pour un moment, et un temps, qu'Allah subhanahu wa ta'ala te donne les jours que tu finis par conquête Makka. Et alors, une indication, et ça sourat là, c'est un sourat Makki, une indication pour encourager Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, pour faire lui connaître qu'il pourrait retourner vers sa place là, et il pour conquérir sa place là. Alors, c'est une bonne nouvelle que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam finit gagner. Avant même qu'il fin arrive sa kitcho là, alors tout cela c'est ben kitcho qu'Allah subhanahu wa ta'ala ben a dit déjà qu'on les futurs, il connaît tout ce qui va arriver après. Alors l'infini prédit certainement kitcho à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et là c'est un bon passage, je dis, wa antahillum bihad al-balad. Alors ben mushrik de Makka, je fin déclare halal te disant dans Makka, malgré qui je te connais qui n'a pas gagné droit à la guerre dans Makka, et je t'ai observé ça, ben mouchik, malgré que je suis mouchik, mais je fais la guerre dans Makka. Alors, pour Rasul sallallahu alayhi wa sallam, je finis, comment dire, mettre la loi à part, je finis faire sur 100 000 halal. C'est la même que je décide pour tuer Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et Allah subhanahu wa ta'ala finit préserve ce Rasul. Alors, bien d'autres qui, ça aussi, il y a il y a un tafsir qui est acceptable, mais ce qui est plus beaucoup dans l'ulama, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui fait sa place là, Makkah, bin halal pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, pour qu'il soit capable de prendre des décisions, tuer souvent l'ennemi si jamais il décide pour tuer, pour tuer jeune. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala continue versement, il dit wa walidihi wa ma walad. Et versement, l'autre, tout bon papa et tout bon enfant. C'est tout mon papa et tous les autres enfants. Et non, ben facile de dire, le papa c'est Adam et Salam, et sur mes enfants, c'est tous les enfants qui viennent. Et non, ben facile de dire, tout papa, qu'il soit côté humain ou bien n'importe qui créature. Et tout ce qui les films gagnent. Comme mes enfants, alors ils rentrent tout mon créature. Tout créature qui est capable d'exister rentre là-dedans. Et non, qui dit, Wawa Lidin, ben qui invite papa. Wama walad et ban qui pas gagne des enfants. C'est ban qui gagne des enfants. Ban papa qui n'a pas enfants. Et ban papa qui pas fini non. C'est ban n'a pas enfants. Alors, ça veut dire, ban qui, je te madame, stérile, je ban gagne des enfants encore. Alors, indirectement, Allah subhanahu wa ta'ala englobe tout race du monde qui est capable d'exister. Mais comme certainement, comme Cheikh Ousmane, il dit, au contraire, il englobe toute la création. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, après qu'il finit faire, ce matin, voilà, il dit, « Laqad khalaqna l'insana fi kabad. » Certainement, nous finissons créer l'insan dans kabad. Kabad veut dire une petite chose qui vous a fait des efforts, beaucoup. Et vous gagnez des difficultés là-dedans. Indirectement, Allah subhanahu wa ta'ala peut faire nous connaître qui nous, la vie de l'Ounia, c'est un la vie qui est énorme pour faire beaucoup d'efforts. Ce n'est pas, on va dire, qu'on mène la vie à l'aise, tranquille, sans juste la jannat qui est dans ça. À cause de ça, quand on a dit, Imam Ahmad bin Hanbal, quand est-ce qu'un du monde, il gagne tranquillité, il dit qu'on lui met ce premier pas de la jannat. Il faudrait ou mettre le premier pas de la jannat, qu'on rentre dans la jannat, là, à ce qu'on a tranquillité. Mais l'Ounia, tout le temps, pour énorme, il y a des efforts à faire. Tout le temps, vous pouvez faire des efforts. Tout le monde, vous pouvez faire des efforts. Même pour obéir à Allah, même pour désobéir à Allah. Tous les deux, dimanche, des efforts. Alors,
Allah subhanahu wa ta'ala peut montrer ça, c'est nature du monde. Il est là pour faire ses fonds sur la terre. Alors, ou vous êtes dans quelque chose, ou pour elle dépense ses efforts là. Est-ce que vous dépensez ses efforts là dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala et qui vous récupérez les jours du Qiyama quand Allah subhanahu wa ta'ala pour récompenser par ce jannat, ou bien vous pouvez faire ses efforts dans désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala ou fatigue lors du Nia aussi et vous avez une plus grande fatigue les jours du Qiyama. Alors, il y a d'autres qui, Allah subhanahu wa ta'ala, il met ça clair qui dit que vous êtes fatigué. Même un dit que vous dormez, il y a un gros paresse, il dormit au lit. Après un moment, il est fatigué au lit là aussi. La danse est la fatigue. Et dit que il faut parfois avoir une douleur. Comme l'imam Al-Qurtubi, il fait éclaircir ça plus bien. Il dit que il y a dit que depuis qu'il est même, alors, comment coupe ce lombril, alors il finit commence à gagner des difficultés. Sur les dents poussées, il gagne des difficultés. Il grandit, il gagne des douleurs aux oreilles, il gagne des douleurs les dents. Il gagne sur quatre douleurs, sur quatre maladies. Et quand il peut vivre, il gagne des difficultés par ici, des difficultés par le côté. Il continue à grandir à lui-même jusqu'à ce qu'il gagne des responsabilités. Alors, tout ça là, il dit mal, c'est faux. Tout ça là, il dit mal, c'est faux. Et la mort finit, c'est une autre étape. D'accabar une autre étape jusqu'à ce qu'il élève les jours du Qiyama, tout cela c'est une différente étape qu'il passe par une difficulté, par une fatigue. Alors, un djimoun, l'ibizin, connaît qui, n'importe dans quelle situation il était, même man qui est misère, même man qui est riche, je tous ont besoin de faire des efforts. Je tous besoin de faire des efforts, je tous ont fatigué. Alors, soit qui vous peut fatiguer, dans man qui soit qui vous profite tout, les jours du Qiyama, soit vous pouvez fatiguer, pour n'en rien et qui ou pour payer dans les jours du Qiyam. Alors Allah subhanahu wa ta'ala dit Ayahsabu, Allah yakudira alayhi ahad. Est-ce que cette personne-là peut penser qu'il est une personne qui n'a capacité de lui? Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas capable de faire n'en rien. Il y a d'autres qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui n'a capacité de tout. C'est lui qui contrôle pas tout. Il y a une personne qui lui tout seul est capable de contrôler tout ça. Il n'y a pas existe ça. Allah Rabbul Alamin lui qui n'a contrôle de tout. Un djimoun, malgré qu'il est arrogant, il est arrogant sur la terre. Et il nous donne beaucoup d'exemples. Allah subhanahu wa ta'ala, une cause concernant ça dans Surah Al-Fajr. Alors une cause concernant un grand, grand arrogant. Comme un pharaon, comme un peuple, Ad, Samoud, un peuple qui, je suis montré d'être arrogant, je suis croire qui, je peux faire ce qui je voulais sur la terre et qui personne ne peut pas prendre le pouvoir aux autres. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, lui montrer qu'il n'est pas comme ça. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a qu'à passer le tout. Parce qu'il est qui contrôle partout et si il y a un grand, grand arrogant, pareil, il finit, alors personne n'a pas pour, personne n'a pas pour saper. Yaqulu ahlaktu mala lubada. Les gens ont fait une dépense, beaucoup, richesse. Alors, ça, ayat là, pas nous facile de dire. Allah subhanahu wa ta'ala pas fin servir les mots anfaqa. Anfaqa veut dire dépenser, mais fin servir ahlaka. Ahlaka veut dire ou bien zété, gaspiller. Ou bien périr. Alors, comme si ça m'a l'argent qui, ben, du monde, je dépense dans désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala devant qu'il soit inutile, c'est mal l'argent zété ça. Qui n'y pas moi-même aucun profit, n'y pas moi-même aucun profit dans cette la vie. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, en même temps, il fait reconnaître que ça va être l'argent qu'ils ont fait quitter là, je ne jeter, je ne gaspiller là. Pas croire qu'il n'a comme ça même, à Yahsabu, Allah yarahu ahad, est-ce qu'il pensait que personne n'a pas fait trouver? Allah subhanahu wa ta'ala a fait trouver qu'il a fait faire, comment il a fait dépenser sur l'argent devant qu'il soit haram ou bien devant qu'il soit inutile. Allah subhanahu wa ta'ala peut trouver bien. Et connaît qu'il est jour du Qiyama, une personne qui jette les pieds pour bouger dans le tribunal Allah, excepté après qu'Allah subhanahu wa ta'ala pose une question concernant cinq choses. Et elle là-dedans, pour poser une question concernant son richesse, comment il fait gagner et comment il fait dépense. Comment il fait dépense son richesse. Alors, richesse, c'est pas pour ça. Richesse, c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah subhanahu wa ta'ala fait mettre ça dans vos dispositions, pas croire qu'il ou gagne droit faire ce qui va bien avec lui. Non, au contraire. Et il y a un contrôle là-dedans. Ou bien qu'on ne servit sa richesse.
et ou bien qu'on dépense. Si vous mal dépensez, qu'on est qui vous n'avez pas le rencontre pour ça les jours du Qiyama. Et non, c'est facile de dire que ça a été quelque chose concernant un kafir qui se fait montrer arrogant, fier, parce qu'il se fait une dépense beaucoup pour faire dito Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et que ce sahaba. Et il y a dit qu'il concerne un munafik qui se dit qu'il soit disant je ne dépense beaucoup dans le chemin d'Allah et qu'Allah subhanahu wa ta'ala compte bien qui je ne dépense dans rien. Alors, il y a des points de qui façon qu'il soit un kafir qui dépense, ou bien un munafik qui dépense, ou bien un dépense dans un qui soit inutile. Tout ça là, ce n'est pas une dépense qui, pour profiter d'autres les jours du Qiyama, ça veut dire je ne gaspille, je ne l'étends dans vide, je ne fatigue d'autres dedans, je ne fatigue d'autres dans vide, ça veut dire je ne prends pas fatigue d'autres dans quelque chose qui pour rapporte, rapporte d'autres. Allah subhanahu wa ta'ala, ensuite, il rappelle nous concernant la faveur qu'il fait faire au nous, il dit Alam naj'al lahu aynayn, est-ce qu'il nous a fait de lui déliger? Allah subhanahu wa ta'ala, donne du monde déliger pour lui trouver. Vous voyez qu'il y a des faveurs, Allah subhanahu wa ta'ala fait le nous quand il donne nous l'Ijé. Avec sa l'Ijé là, on trouve tout qui chose, on trouve tout qui a été coulé. On trouve tout, tout bon qui chose, comment il a été. Mais la doute, c'est un grand faveur. Quand vous connaissez sa faveur là, c'est un du monde qui, on trouve lui fin perdu sur l'Ijé. Quand on trouve lui qui a eu une difficulté, quand il perd l'Ijé, il va le rappeler, hey, un grand faveur ça. Allah subhanahu wa ta'ala fin donne moi de l'Ijé. La même là, si j'ai un du monde, me donne toi quand même comme 1 million de moins de l'Igée avec toi. Il vous donne, il va vous donner, qui veut. Parce qu'il connaît valer ce l'Igée. Jamais il vous donne un membre aussi important qui sert de cela. Malgré qu'il y en a des. S'il donne, il vous continue de trouver. Mais il va vous redonner, qui veut. Parce qu'il connaît valer de ça l'Igée qu'Allah subhanahu wa ta'ala vient donner. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala fait rappeler nous concernant sa famille là et qui. Même qui concerne vous dépenser, n'est pas égal, ça va bien qu'Allah subhanahu wa ta'ala vienne de nous, et en même temps, il montre nous pour nous réfléchir. Et satiriser qu'Allah subhanahu wa ta'ala vienne de nous là, mais get ce capacité qu'Allah vienne mettre là-dedans. Nous trouvons tout qui chose, nous trouvons un petit qui chose, nous trouvons un gros qui chose, nous trouvons tout ce qu'il y a de découler, nous sommes capables de distinguer entre un qui chose qui est bon, un qui chose qui n'est pas bon, nous sommes capables de lire, un paquet qui chose, un paquet de travail, nous faire avec l'Igée. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fin de nous. Wa lisanahu wa shafatayn. Et il fin de nous, en la langue, et il de nous de la lèvre. Alors, en la langue avec de la lèvre, à travers lesquels, zis, quand peut sortir, c'est zis son qui peut sortir. Mais ça son qui peut sortir là, il sortit dans tout genre. Toutes quatre paroles sortent là-dedans. Nous prenons toutes quatre prononciations. Mais seulement, depuis même la langue, depuis même. La lèvre, c'est un petit mouvement en plus, en moins, c'est pas ici, un ticket à droite, un ticket à gauche, il finit sans. Un petit monde a été réfléchi, l'eau causé qui dit causé. Quand ça a causé la sortie, il peut sortir depuis dans la langue, il peut pas sans la lèvre pour sortir. Mais seulement, qui peut sortir, c'est son qui peut sortir. Un son qui peut sortir là, il y a quand c'est sans moi, il y en a là. Tout ça sans moi qui est là, là c'est un petit mouvement. Qui dit que l'on peut faire dans son langue avec dans son délai. Alors, c'est un monde qui se réfléchit là même, il vous trouve grandir Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui vient de nous sa capacité là. Alors, en retour, nous devons servir, ça va faire qu'Allah subhanahu wa ta'ala vienne de nous là, qu'il soit nous lisé, ou bien nous la langue, pour qu'il nous servir dans l'ibadat Allah subhanahu wa ta'ala, dans l'obéissance à Allah. Allah de nous lisé, ou service à l'Ijé là. Pour admirer ce qui est haram. Allah subhanahu wa ta'ala donne-nous la langue. Et où service à la langue là pour cause mentir, pour faire ribat, pour tirer défaut dans du monde, pour mettre tasse sur du monde. Mais la doute qui ça, ce n'est pas qualité d'un bon esclave. Et n'importe qui ça qui réfléchit. L'eau va faveur. Allah subhanahu wa ta'ala fait faire l'eau lui-même. À cause même qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit wa fi anfusikum, afala tubsirun, dans votre propre nafs, est-ce qu'ils n'ont pas guetté? Je vais réfléchir. Dans tout le monde, je te l'écoute, s'il réfléchit lui-même, capacité qu'Allah subhanahu wa ta'ala fin de lui, ben qualité qu'il y a dans lui, ben un doute qui, il besoin tout le temps remercier sa créature-là, il besoin tout le temps de vivre dans l'obéissance de sa créature-là, et il servit faveur Allah dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, non plus, il servit faveur Allah dans désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadaynahu najdayn, et Allah subhanahu wa ta'ala,
Il fait, il guide nous vers sa des voies-là, sa des chemins-là, chemin qui amène vers Jannat et chemin qui amène vers l'enfer. Et tous les deux chemins, c'est des chemins qui créent. Un nudge, c'est une chose qui est élevée. Alors, comme si tout le monde commence à guetter, définit qu'on est qui se met qui droite, qui se met qui travers. Et il y a une grande différence entre un du monde qui doit tawhid avec un du monde qui doit shirk. Un du monde qui peut adorer les pré-créatés, Allah subhanahu wa ta'ala, avec un du monde qui peut adorer man créatif ou man création, man les autres apportent Allah subhanahu wa ta'ala. Trop clair ça. Il n'y a pas que ça qui réfléchit, mais Allah subhanahu wa ta'ala, il est créateur de tout, nous peut adorer. Ça, c'est une vraie adoration. Mais man du monde qui peut adorer roche, ou bien du monde beau, ou bien pied, ou bien idole, ou bien du monde même, mais ça man là, c'est man. C'est un créatif qui je ne vais pas faire un orier pour moi. Ni je ne crée moi, ni je donne moi ma nécessité, ni je ne fais quelque chose pour moi. Mais qui fait moi d'autres? Il y en a d'autres qui payent la même logique là-dedans. La logique, c'est qu'ils nous adorent les vrais créateurs. Et comme ça même, payer la logique qu'Allah subhanahu wa ta'ala envoie une salle, chacun y adore Allah subhanahu wa ta'ala comme il a envie. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala tout le temps, fin de salle man libre, tout le temps, il envoie un prophète. Alors, la logique, c'est qui? Un du monde, il a besoin de suivre ce qu'il y a dans le livre, comment il a enseigné par ce prophète-là, pour y adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a la même tout du monde, qui le sunna, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, nous disons, je vais pratiquer la vérité. Et tout du monde qui peut inventer, par un bidra qui je vais faire, nous disons, c'est un fausse. Et comme ça, tout un bon bonne action, il est clair. Un du monde, personnel, ça, un ibadat. Garde-rosa, ibadat. Dépenser dans le chemin d'Allah, ibadat. Cause, ben bon cause, ibadat. Lire Quran, ou bien tout ben bon, lire apparent, lire clair, il comprend, ça c'est bon. Et ben mauvais, lire clair. Un djimoun, lire coquin djimoun, lire bad djimoun, lire commettre zina. N'importe qui PC, c'est, il y a une question qui est claire. Qui, c'est ben PC, qui, un djimoun, l'Ibzab Seigneur de ça, alors il n'y a pas autant. Pour qui nous tout le temps vivons dans l'obéissance à Allah, parce que l'obéissance à Allah est claire. Les peines qui sont qui, je ne dirais pas capable de comprendre qui est vrai et qui est fausse. Parce que, alhamdulillah, dîne qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, puis nous quittons l'eau-là, sur la journée, il paraît que moi soit soir. C'est dans l'éclair. Il n'y a pas que ça qui a envie de connaître qui était tawhid, vrai même, trop facile. Il n'y a pas que ça qui a envie de connaître qui avait le sunnah, trop facile. Il y a un autre ça qui a envie de connaître qui chemin qui droite, qui chemin qui travaille, trop facile. Alors, lisez, et là, pour suivre ce qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, puis l'enseigner, d'après compréhension des bons sahaba, et ben qui suivent le chemin des bons sahaba. Alors, c'est lui qui fait une prend ce chemin-là, facilement, lui punit, trouve lesquels chemin qui droite et lesquels chemin qui travaille. Alors, subhanahu wa ta'ala, il continue, il dit, et là, c'est un man ulama, je veux dire, qui Allah subhanahu wa ta'ala dans sa ayat là wa hadaynahu najdain. Alors je dis, ben facile je dis, c'est un enfant quand il est, Allah subhanahu wa ta'ala guide lui pour lui boire avec son maman. Un enfant quand il est, Allah guide lui, cet enfant là il n'est pas content rien, quand il est enfant de son maman, il ne peut pas manger, pas se boire lui. Mais à travers son lombri, Allah subhanahu wa ta'ala peut fidèle lui depuis son maman même. Mais quand il finit, c'est ça qui vient guider cet enfant là pour lui boire avec son maman, c'est Allah Rabbul Alamin. Alors, il y a d'autres qui, ça aussi, y compris là-dedans, mais connaît qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il fait aussi guide Banjimoun, comment, dans plusieurs places dans le Coran, il fait nous connaître, qu'il nous montre nous tous les deux chemins. C'est lui qui voulait, prend le chemin de Jannat, il prend le chemin de Jannat et il y a l'espoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous récompense par Jannat. C'est lui qui a envie de prendre le chemin d'enfer, alors il n'est pas capable d'âme, excepté lui-même. Falaq tahamal aqaba. Allah dit, il n'est pas fin, fait des efforts pour traverser sa semaine difficile. Là. Alors, Al-Aqaba, normalement, c'est, comme on va dans le dictionnaire, il mentionne, c'est un chemin entre des montagnes. Un chemin entre des montagnes qui, normalement, est difficile pour traverser. Un chemin qui est difficile pour traverser. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala peut dire que sa personne là, il n'est pas fin, fait des efforts qui misère pour y traverser ça. Et là, on va facile de dire que c'est les causes concernant l'enfer. Alors, il peut faire des efforts pour faire une action suffisante qui, ça, pour faire y traverser l'enfer, comme on connaît tout le monde, pour bien passer l'eau sur l'autre, le pont. Alors, celui qui finit faire assez bonne action,
C'est souvent une bonne action qui peut aider pour lui passer l'eau sa peau là plus vite. Mais c'est lui qui peut finir faire les nécessaires, il fait paresse, paresse, ou bien il finit désobéir à même. Alors il y a d'autres qui ont des difficultés pour passer au pont et n'ont pas pour traverser même pour rester dans l'enfer parce qu'en bas sa peau là pour être différent l'enfer. Ou ma adora comme la aqaba. C'est là qu'il vous montre donc comment vous traversez ça, ça si c'est difficile là. Alors Allah subhanahu wa ta'ala lui donne un exemple, il dit Fakku raqaba. Alors libère un esclave. Libère un esclave, ça c'est un parmi les moyens qui un dimon lui échappe de différents enfer. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui dit c'est lui qui libère un esclave. Chaque membre qui est dans cet esclave là, Allah subhanahu wa ta'ala libère ce membre de différents enfer. Il y a peine à doute si on libère un esclave en entier, si on peut libérer au propre corps depuis différents enfer. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, il peut montrer nous chemin pour qu'il nous sauve depuis différents enfer, pour nous rendre dans ce jannat. Alors un premier moyen, c'est nous libérer un esclave. Et si peine à esclave, parmi les qui rentrent dans cette ayette-là, c'est si il y a un prisonnier musulman, code ban kafir, ban kafir peut être en prison. Alors, si elle a pour dépenses, elle donne sa main kafir là, un gros la monnaie pour libérer nos frères musulmans. Alors, ça aussi, il rentre là-dedans, comme on va vous expliquer. Ou bien, il donne à manger d'un jour que ben, il a faim. C'est un peu à manger. Alors, là, dans la période de confinement, il y a beaucoup de bonnes familles qui passe un moment difficile, surtout comment je suis dire, je travaille même jour, je mange même jour. Alors là, si je vais travailler tout, je n'ai doute que je dors un moment. Mais je dirais que je vais bien nous aide. Alors si dans ce moment-là, un moment difficile pareil, on aide. Un dimon, je n'ai doute que ça soit d'accord là, ce moment-là, il n'y a plus valeur. Un dimon, lui, miskin, mais ça, il va quand même débrouiller. Ou aide-lui, ça vient de un soulagement pour lui. Mais du monde qui peine à même manger, ou aller ou aller donner, ça, il est plus qu'il soulagement. Il est plus qu'il soulagement. Alors, il y a d'autres qui, ça, c'est une place qui, quand du monde dépense sur l'argent, alors il dépense dans cire, et qu'il peut récolter lui, quand Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit, yatiman dha maqraba. Il dépense sur un yatim qui est proche avec lui. Il y a un yatim et il y a un proche avec lui. Mais il y a d'autres qui, un yatim, c'est souvent proche qui plie bise qu'il est jeune. C'est normal, il faudrait qu'il y ait une capacité, il faudrait qu'il y ait un moyen. Mais seulement, c'est ce même proche-là qui n'a plus droit pour être ce même yatim-là, malgré qu'il nous dit, à l'islam, c'est un din qui enseigne un musulman pour prendre compte, pour prendre compte un yatim. Pour prendre compte un yatim, c'est les enfants qui n'ont pas encore venir. Et qui jette papa finmo. Et qui jette papa finmo. Alors, nous ne pas dire un enfant yatim, excepté il faudrait qu'il soit papa finmo. Si un maman finmo, il n'est pas fait yatim ça. Si un maman finmo, il n'est pas fait yatim. Tant qu'il papa là, il n'est pas fait yatim. C'est quand papa mort et il est encore en balade, ça veut dire qu'il n'est pas encore venu là, en puberté, il est là qu'il est considéré comme un yatim. Alors, ça là, sa qualité personne là, quand nous dépensons le lit, nous guettons lit. Ben adout qui ça c'est un grand ibadat qui ça dit mon là il vous proche avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam les jours du qiyama. Alors vous montrez grandir et valer de ça ibadat là. Ou miskinan dha matraba. Ou bien un miskin qui n'y peut en rien. Misère d'un degré. Alors ouais, dépense sur un miskin pareil, ben adout qui ça aussi il y a un grand ibadat que Allah subhanahu wa ta'ala. Et les mots miskin quand il est tout seul, il y a inclure fakir. Et le mot fakir, quand il est tout seul, il y a inclure miskin. Mais quand il est des jeunes, il y a là une différence entre les deux. Il y a là, fakir, c'est un qui peut en rien. Et miskin, un qui est là, mais il participe. C'est quand c'est qui est là, participe. Appelle-le miskin. À cause de ça, Allah subhanahu wa ta'ala fin, met toutes les deux catégories parmi les qui méritent zakat. Toutes les deux catégories méritent zakat. Qu'il soit un fakir, qui est le plus mérité, et un miskin, il est énorme. Mais seulement quand c'est qu'il est énorme, il n'est pas assez. Alors il gagne droit pour quantité qui suffit pour lui.
Alors tout cela, c'est un chemin qui, quand nous dépense l'eau 54 personnes là, alors ça pour aider nous, pour nous franchir ce chemin difficile, qui pour faire nous rendre dans Jannat Allah subhanahu wa ta'ala. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. Ensuite, ici ensuite veut dire en plus de ça. Il parle veut dire, il finit par ça après il y a un iman. Non, ça veut dire il désire l'iman parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas accepté action, une bonne action de l'iman du monde, excepté faudrait qu'ils aient l'iman. Allah n'a pas accepté de l'iman kafir. Si l'iman kafir fait l'iman du bien, Allah subhanahu wa ta'ala finit d'un jeu se récompense l'eau du Niamh. L'eau du Niamh se finit jouir, ce qu'ils ont dépensé ou bien le bon qu'ils ont fini faire. Mais un mu'min, lui, Allah subhanahu wa ta'ala fait lui amener une bonne vie l'eau du Niamh et récompenser dans l'akhirat. Alors ça montre-nous encore une fois valeur des imams. Et si un kafir, lui fait faire bon, au moment qu'il est kafir, ensuite il y a un imam, Allah subhanahu wa ta'ala accepte ça man bon qu'il fait faire quand il est kafir là. Mais si il fait une mot, le coffre, il y en a d'autres qui aucun bon ne peut accepter pour lui les jours du Qiyama. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, il fait connaître que les jours du Qiyama, pour amener un mouchrik, un kafir, et pour faire ce ban action bin la poussière. Ça n'est pas pour aucun bas, valir. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il ne peut faire la justice aux personnes. Tout ce qui, ça m'a dit, moun là, je ne fais bon, l'eau la terre, à l'infini d'un jeune, sur. Sauf quand c'était la jouissance, l'audunia qui se finit jouir et qui ne mérite aucune récompense contre Allah subhanahu wa ta'ala. Alors à cause ça, qui est important, pour qu'il y ait un dimon, s'il ne peut pas se misère et il y a un kafir l'audunia, alors nous allons lui prendre un grand perdant s'il n'y a pas un iman. Parce qu'il dit, et l'audunia, il ne passe misère, et dans l'akhirat, il ne passe pas plus misère. Et dans l'akhirat, il ne passe pas plus misère. Alors, meilleur pour lui, c'est Yaman Iman. Il y en a d'autres qui, Amen Iman, c'est ça qui pour sauver du monde des différents faits les jours du Qiyam. Watawa sauve sobre. Et il conseille un à l'autre pour prendre patience. Watawa sauve marhama. Et il conseille un à l'autre pour qu'il ait une pitié un à l'autre. Alors, il y en a d'autres, ça c'est une qualité qui visait un à l'autre du monde. C'est nous. Si nous sommes capables de libérer un esclave, nous libérons un esclave. Il y a des gens qui sont proches avec nous, nous guettons bien. Il y a des miskines qui ne peuvent pas rien. Nous prenons compte, nous donnons de la nécessité. Nous amenons l'iman, comme on disait, et nous prenons patience. Quand nous disons prends patience, il divise en trois catégories. Premier, nous prenons patience pour faire ibadat à Allah. Tout ibadat qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne pour faire, mais c'est patience pour faire ça. Là, nous pouvons garder l'eau. C'est du monde qui a la patience. Il a faim, il a soif. Il a la patience. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il mange, il boit. Mais c'est du monde qui prend patience, même qui quand c'est faim, il peut faire. Même qui quand c'est soif, il peut soif. Il peut tirer. Parce qu'il peut faire une balade. Comme ça, même qui quand c'est sommeil, il peut gagner. C'est du monde qui prend patience, il lève. Pour faire fajr, il lève pour faire serrer. Mais seulement, c'est du monde qui ne prend pas patience, il dort, il rate la masse, il ne pas casser sa tête. Alors, bizarre prend patience pour guider. Bizarre prend patience pour faire ibadat à Allah. Guette sa main, madame, malgré mes persos, je peux mettre le hijab, le djilbab, je mets le pardon, je vais couvrir toutes les cours en entier. Bien. Il y a d'autres qui, c'est bizarre patience. Ça. Si il y a patience, il y a d'autres qui, de la même, nous trouvent, la majorité, madame, magnifique, en soi aussi, il y a un djilbab, là, je suis indécent, je les cours préparés. Alors, tout ça, là, c'est quand il y a patience. Alors, quand un djibun y a la patience pour faire ibadat à Allah, il y a d'autres qui ça, il y a parmi un grand ibadat qu'Allah subhanahu wa ta'ala considéré pour lui. Et comme ça même, un djibun il doit prendre patience pour lui rester depuis man PC. Si un djibun il peut avoir patience, facilement il tombe dans man PC. Surtout dans man pays, quand il y a man PC au clair, comme à Maurice même, il y a man PC dans la disposition man djibun facilement. Donc parce que tout le monde a un chemin, autre peut vendre la drogue, peut vendre la cigarette, et dans le vidéo club, et dans la maison des jeux, il y a un paquet de facilités. Et le chemin, madame magnifique et non, à la pauvreté, alors facilement, le monde capable tombe dans la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala.
Mais si un monde, il connaît qu'il désobéissance à Allah, pas pour profiter, au contraire, ça, il est capable d'une cause qui Allah subhanahu wa ta'ala pas accepté ce man, bon action. Ou bien, Allah subhanahu wa ta'ala, à travers ce man, mauvais qu'il fait, mal pensé qu'il fait, ça capable d'une cause pour y aller pini, quand Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a pas qu'un jannat, Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, ça, c'est ce monde-là qu'il fait, il prend patience. Il prend patience, il baisse son record, quand besoin baisse son record. Il abstenir, il reçoit. Il n'est pas causé, quand pas besoin de causer. Il est sauvé. Depuis ma place, quand ben, tout le monde peut désobéir à l'homme. Ou bien peut causer, ben, causer. Il n'est pas besoin. Alors il évite sa mancalité camarade-là, il évite sa mancalité place-là. Alors tout cela, c'est un effort qui va ben, tout le monde faire pour prendre patience, pour recevoir depuis ma ben, PC. Et comme ça même, nous prenons patience, l'eau, ben, difficulté, ben, maladie, ben, souffrance. Qui fait du monde dit tout la terre, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait décréter l'ONU. Qui n'est pas pour s'appeler ça. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait décréter pour qu'un du monde, il y ait telle maladie, ou bien il y ait telle difficulté, il y ait telle souffrance, personne ne peut pas s'appeler de ça. Mais c'est bon, quand il arrive là, il y a d'autres qui prennent prend patience. Il n'est pas prêt à se plaindre, il y a les mêmes. Mais il prend patience. Il connaît qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait décréter ça pour lui. Mais c'est mort, prends patience, pas veut dire qu'il n'a pas gagné le droit de faire ses efforts pour autre solution. Il gagne le droit à l'hôpital, il gagne le droit à le docteur, il gagne le droit à boire pas de médicaments. Mais connaît qui, Allah Rabbi Lamine, tant pas pour faire dire, pas ou l'aide bien, il pas pour bien. Même il est capable dans plus grand clinique qu'il y a, il gagne plus grand docteur qu'il y a dans le monde ici pour être là. Il y en a d'autres qui, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Pas ou les bien, personne ne peut pas faire les bien. Parce qu'Allah qui donne guérison, pas la personne qui donne guérison, apporte Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, le tout man problème, man difficulté, qui nous gagne le sadounia là, nous bise pour patience. Alors, tout cela, c'est une chose qui est importante. Allah subhanahu wa ta'ala, pas fini de me dire ça, comme ibadat, mais nous aussi conseille man les autres pour prendre patience. Nous pas juste prendre patience, nous, mais nous conseille un à l'autre. Quand nous jeunes mandibou qui ne peuvent faire ibadat, nous disons, prends patience pour faire ibadat Allah. Prends patience pour s'enir depuis mon PC. Et prends patience, l'eau bande difficulté qui nous gagne, l'eau ça, dunya là. Et en même temps, nous conseiller un à l'autre pour qu'il nous a pitié. Un à l'autre pour nous pardonner, nos camarades, pour nous aider, nos camarades. Tout cela, c'est une qualité qui amène un dimoun vers Jannat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit, oulaïka ashabul maïmana. Ça, c'est un dimoun qui, je vous donne, côté droit. C'est un parmi man qui vous donne côté droit, qui se prend votre livre ici dans la main droite. C'est man compagnon côté droit. C'est man qui vous rend dans Jannat, Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, man qui fait sa man action là, votre mérite pour gagner Jannat. Walladina kafaru bi ayatina, man qui fait kouf avec nous, man BSC, hum ashabul mash'ama. Ça man là, je ban côté gauche. Je ban qui vous gagne votre livre dans la main gauche. Je banne qui, je vous aille dans le fait, l'enfer, alayhim narum mu'sada. L'autre, pour y'en a un fait qui couvert les autres. Un fait qui pour couvert les autres, et pour couvert les autres d'une façon qui soit prêt à sauver, je vous reste là dans pour tout, je vous reste là dans pour tout le temps. Il y a d'autres qui vont kafir, Allah subhanahu wa ta'ala pour renfermer les autres dans le fait l'enfer éternellement. Jamais je vous sortis depuis dans le fait l'enfer. Alors ça, c'est qualité qui Allah subhanahu wa ta'ala peut demander un dimon pour se t'abstenir, il n'y a pas fait couvre, et de l'autre côté, il peut montrer nous la qualité qui nous vient dans nous pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait nous gagner ce jannat. Alors, nous devons qu'Allah subhanahu wa ta'ala il facilite nous dans ça, la lutte qui nous supposait amener l'eau sur la terre là. Allah subhanahu wa ta'ala fait nous lutter dans son obéissance, et Allah subhanahu wa ta'ala fait nous faire une action qui nous mérite ce jannat et les récompenses pour le jannat au Firdaus, et il fait nous recevoir des vies malaction qui amènent vers le fait l'enfer. Qu'on le comme l'Ihada, wa sallallahu alayhi wa lakum, wa sallallahu ala nabina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.